Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, on repart tout de suite avec notre MAF en Team Deathmatch. On ne se laisse pas abattre et on va essayer de choper un maximum de crédits dans cet épisode. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, toujours dans les Robocraft Days, il n'est pas de nouvelles de la tour, enfin pas de nouvelles supplémentaires en tout cas. Si ce n'est qu'elle n'est pas encore arrivée apparemment sur le point de livraison, c'est-à-dire chez son constructeur, son monteur, hein, littéralement celui de ceux qui ont monté la tour. Je l'attends avec impatience des retours et des informations quant à tout cela, vous vous en doutez. Quoi qu'il en soit, nous voilà repartis dans Robocraft, hein, toujours dans les Robocraft Days, je le rappelle qu'en ce moment ça ne va être que du Robocraft jusqu'au retour de, tout simplement, ma tour. Ce qui me fait bien chier, cher Denis, parce qu'entre les nouvelles informations sur Fallout 4 desquelles j'aimerais vous parler, plus le jeu Far Cry Primal auquel je ne peux pas jouer alors que j'ai complètement hypé dessus et que j'ai vraiment pris mon pied dessus sur les quelques épisodes que j'ai tourné. Bref, j'ai vraiment la haine, surtout avec les nouvelles informations aussi qu'on a autour d'Elite Dangerous, qui m'intéresse énormément, un jeu que j'apprécie énormément, vous vous en doutez. Eh ben, je me suis refait les cheveux, là. Et là, je suis en train de passer derrière eux, c'est génial. Allez. Ok, ça en fait un de moins. Lui, il a pris de gros dégâts. Non, je perds la moitié de mes tirs, quel dommage. Ah, mais non. Je suis mauvais. Ah, si on reste devant moi, je peux pas tirer. Dommage. Feu à volonté. Bon, ça me saoule. Ah mais non, espèce d'abruti! Par contre, si quelqu'un peut venir me heal, ce serait cool. Oh, merci. Merci, merci l'ami, franchement merci. Faut que je puisse reculer. Ça touche pas du tout. Ah, c'est clairement pas ma place. C'est clairement pas ma place, faut que je bouge. Je vois rien, tout le monde saute devant mes yeux, j'ai pas le temps de viser qui que ce soit. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ok.
Il me saoule celui-là à faire des ronds et des ronds et à farm, enfin comment, à camper littéralement, il campe au-dessus du. Je vais lui surprendre un gros coup, moi, tu vas voir. Faudrait vraiment que j'ai le blink là-dessus, mais j'ai pas du tout la quantité de flops nécessaire pour le faire. Malheureusement, c'est à cause de ces deux lance-roquettes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez ça, mes jambes sont complètement bloquées. Putain, c'est le même problème que j'ai eu la dernière fois avec le... Défaillance des jambes. What the fuck? Et je m'envole. Je m'envole. Pouah, c'est quoi ce bordel? Oh là là! Catastrophe. Vous ne passerez pas. Hop, mes jambes s'arrêtent. Oh putain. Bon, c'est pas grave. Hop, une victoire. On continue, on y retourne. En tout cas, ouais, les jambes qui se bloquent, c'est quand même particulier. Et après, hop, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. Oh là là. Pourtant, je suis pas fan de Peter Pan. Enfin, je suis fan de l'histoire, pas de la version Disney. D'ailleurs, je vous invite pour la forme à aller voir la série Neverland. Si je me trompe pas, en quelques, je crois que c'est des mini-films en fait. En deux ou trois épisodes, je crois. Je ne sais plus vraiment, à vrai dire. Et vraiment une très très bonne adaptation. Enfin bon, ça c'est mon avis. Et je vous invite à aller la voir. D'accord, il faut que j'arrive à repérer à peu près où est-ce que je suis par rapport à la map, ça c'est compliqué aussi, parce qu'habituellement on n'avait pas ça et du coup on s'y est pas habitué. Qu'est-ce que... Ah, il a blinké. Ah, le sac, il a blinké. Bien joué. Je ne l'ai pas vu venir, le coup du blink. Hop. Je n'ai pas vu venir le coup du blink, pas du tout. Et toi, couvert, vite! Spotted. Dommage. Bien joué. Si tu as touché, bien joué. Si on peut toucher, ce serait parfait. Ah, il n'y a plus personne. Merde. Pas de chance. Et le temps qu'on blink, il risque d'y avoir... Enfin, le temps qu'on puisse arriver sur place, il n'y aura peut-être plus personne justement de leur côté. Parce qu'on voit que ça descend dur. Allez, allez Marcus, cours. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Je sais même pas qui est-ce que je vise. Si c'est le bon. Ah bah d'accord. Ah oui, celui-là il est performant parce qu'il a de la même manière que mon... Ah, ça aussi c'est joli. Ça aussi c'est joli, ça aussi c'est joli, ça aussi c'est joli. Bon bah c'est un échec. Ah, c'est ça que je pourrais refaire aussi. Bah, on verra. On verra, tiens, ça peut être sympa à refaire. Il n'y a rien avec le nouvel armement qui puisse être fonctionnel. Bon, parfait. Hop. Peut-être qu'on va le faire un peu plus souvent, ça, chers amis. Restez jusqu'à la fin du match, s'il n'y en a plus pour très longtemps. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir accès à différents robots et de voir à peu près la tronche qu'ils ont. Bon, c'est vrai que là, ça fait beaucoup de crédits.
Et le héros bonus, c'est le double, d'accord. Bon, ça fait quand même 110 000, on va dire encore, à peu près. Bon, ce n'est pas grave, on y retourne. Ce chat. On y retourne, Monkey Lord. Oh mon dieu, ce nom est génial. Enfin bon. J'entends encore le chat, j'aime pas souvent ça. Enfin, j'aime pas ça parce que souvent ça veut... Ça implique un quelconque bug. Allez. C'est quoi ce bruit? Bien. Alors. On coupe les lumières. Allez, grimpe. Alors. Littéralement hors de portée. Bien sûr, peut-être pas exagéré non plus. C'est pas en voyant un poil que tu vas réussir à faire ça. Par contre, ils sont où nos alliés à nous? D'accord, essayer de se rendre sur le camp ennemi. De la même manière. Et au passage, ils se font cordialement défoncer. Et nous aussi. Et il blink ce sac. Je suis pas riche comme toi. Aïe. Bon bah c'est fini. Alors. On a des véhicules intéressants. Oui, il est semblable à celui que j'ai moi, mais. Ah, il est pas bête en tout cas. Pas mal du tout. Il est pas mal du tout, mais ouais, est-ce qu'il est véritablement fonctionnel? Parce qu'il ne tire pas, tu me diras, il tire pas ni au devant ni de... Ouais, mais ouais. Il est pas bête, parce qu'il peut tirer sur... Il peut chasser en fait l'ennemi volant, littéralement. Bon, en soi, pourquoi pas. Alors, excusez-moi, je voudrais lire un truc au passage sur Robocraft, mais au final, non. C'est pas ce que je recherchais. Parce qu'en fait, il y a des gens qui se plaignent, chers amis, que le jeu soit actuellement fait pour forcer les gens à acheter. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Certes, le prix des armes et de l'intégralité des modules est exorbitant. Faut l'admettre, il est véritablement exorbitant. Mais... Ce n'est en aucun cas un moyen, en mon avis intentionnel, de faire payer le joueur. Parce que depuis le début, je le dis depuis les débuts du jeu, tout ce qui est ajouté, tout ce qui est nouveau, est complètement, j'insiste sur le complètement déséquilibré. C'est-à-dire que ce soit les prix ou les nouvelles armes, vous pouvez le voir à l'heure actuelle, hein, combien de personnes jouent avec les armes que j'ai actuellement ou le canon anti-aérien, l'aéroflac là. Tout est déséquilibré, que ce soit le prix. Regardez quand il y a eu la nouvelle mise à jour, la première mise à jour overall, avec le prix des cubes. Des cubes à 25 000. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Spotted.
C'est pas grave. Ok. Ok. On y va. Bon, il me saoule celui-là. Hop. Ok, ils se font repousser. C'est bon. C'est la victoire. Normalement, je devrais être en mesure de pouvoir monter ici. Hop. Crac. Génial. Allons-y. Ok. Ok, c'est bon, 3 achèvements, on va dire. Parce qu'on les a pas vraiment tués nous tout seuls, faut l'admettre. Bon, bah voilà. Voilà une bonne vidéo, chers amis, littéralement. Hein. Ok. C'est cool. Bon, pas pour beaucoup de crédit, mais... Voilà, 164 000, vous voyez. Y a pas une grosse différence entre faire une victoire avec plein de kills et une victoire avec peu de kills, au final. Enfin bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. On n'en a plus qu'un à tourner, donc c'est celui-ci aujourd'hui. Donc merci d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, ne pas trouver dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. En tout cas, moi je m'éclate aujourd'hui. C'est la folie, oui, tout à fait. C'est la folie. Ha 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 ha.